Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Et maintenant la famille, on passe au jeu spécial de la semaine. Yes. Oh là là, on va jouer, on va enfin jouer. Bon Julien, je peux plus la je réutilise des bêtes que j'utilisais, comme ça je paye pas de droits. J'adore. Pour toi ce soir, mon Julien, mon équipe d'auteurs a bossé comme jamais. Enfin, quand je dis mon équipe d'auteurs, je parle évidemment de ma mère qui tient à me fournir régulièrement en idées. Et donc ce soir, Julien, tu vas te soumettre au bien trop très célèbre Castaldi oui ou non. Ah. Voilà, ça c'est fait. Oh bah c'est des jeux de mots, je t'emmerde. Julien, tu me réponds donc tout simplement par oui ou par non, tu es prêt? Oui. C'est parti. Julien, si on te donne 1 million d'euros à la seule condition de ne plus jamais faire ce métier de producteur, d'animateur ou de chroniqueur télé ou radio, oui ou non? 1 million. Il réfléchit. 1 million rubis sur ah ouais. Maintenant. Non. Il a dit non. On est toujours dans la légitimité sur les réseaux sociaux, hashtag légitimité. Julien, si j'avais été encore animateur du Mad Mac quand tu es arrivé en tant que chroniqueur, est-ce qu'on aurait bien rigolé à l'antenne et dans les coulisses, oui ou non? Oui. Ça, c'est sympa. J'aurai ma revanche. Julien. Julien, si... il veut pas se mettre dans la merde. Il veut retrouver l'antenne. Julien, si ce soir je repartais avec ta copine qui est juste là actuellement en régie, malgré notre amitié, est-ce que tu oserais me péter la gueule, oui ou non? Oui. Hein, c'est bien, on est d'accord. Hein, c'est pour ça que je ne regarde même plus vers la personne. Mettez des gens devant elle, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Ouais, extirpez-la directement. Oh, Elytriola avec un hélicoptère, démerdez-vous. Julien, plus dur. Si Cyril Hanouna te propose tes PMP, non pas avec, mais à la place de ton père autour de la table, est-ce que tu accepterais oui ou non? Non. C'est classe. C'est bien, bravo. Ouais, c'est légitimité pas, et puis peur des coups aussi. Hein. Ouais, peur des coups. Ouais, non, mais non, juste légitimité. Légitimité, c'est le padré. Moi, je ferais exactement pareil. Bon, mon père est maçon. Mais, enfin, il est pâtre. Et enfin, dernière question, Julien. Ton père, qu'est-ce qui s'est passé hein? Le truc est arrivé au bout. Relance-le. Il est bon des villes, il a enlevé l'orage. Et enfin, dernière question, mon Julien. Ton père et sa prise de parole sur tes PMP contre Ménel, la fameuse candidate de The Voice, a suscité une grosse polémique et même des menaces directes de mort sur ton père. Et moi. Et toi. Alors justement, et on va enlever justement la musique parce que c'est un sujet sérieux, tu as bien fait mon dévis. Est-ce que tu soutiens ton père? Oui ou non? Surtout pourquoi? Comment tu le vis? Juste une petite réponse, c'est un sujet important mon ami. J'ai pas du tout envie de me mêler de cette histoire parce qu'en fait je crois que je l'ai mal compris déjà de base et je pense que je l'ai pas compris donc j'ai pas envie de me mêler plus que ça donc ça ne me regarde pas mais en tout cas tu soutiens ton père non je vais pas dire que je le soutiens puisque au final je le soutiens pas je veux pas qu'il y ait je ne sais pas les propos exacts qui est eu j'ai pas de propre avis tu vois je vais pas il a raison, faut bien connaître le sujet vu que je sais que c'est polémique, c'est un peu tendancieux. Tu vois, c'est tendancieux et je sais que de ce que j'ai cru entendre, quand même, il y a un peu de propos tendancieux des deux côtés. Ouais. Je préfère dire. Et t'as reçu aussi des menaces. T'as raison. Ouais, oui, mais ça c'est tout le monde, ça. C'est la première fois qu'il y a un petit scandale familial et que je sois plus ou moins mêlé, vu que j'avais jamais eu de problème avant. Et sur mes photos Insta, je le vois, je me suis fait incendier. Tu sais, ton père le facho. Et en message privé, dès que je te vois. C'est ça qui est horrible, quoi, c'est parce que c'est vraiment toi et ton père. Ouais, non, mais c'est ça qui est. Mais maintenant que t'es exposé, ça va être de plus en plus. Je sais. On voit un petit peu l'ingratitude des gens, c'est-à-dire qu'il devrait pas faire ce métier parce que son père le fait déjà, mais en même temps, quand son père dit un truc, on le tient responsable aussi. Donc c'est complètement con. Merci, mon Julien, on peut l'applaudir. Il a joué le jeu. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.